qui va tout le temps être obligé de se déplacer de gauche à droite en réussissant à détruire les ennemis plus résistants qui sont au milieu. Passer dans les petits... Dans les petits espaces qui se... Bon, là ça va, il arrive bien, il a une bonne technique pour arriver à... Pour détruire les bâtiments. Ouais, ça va, un gros nuage encore à passer avant d'arriver sur un des derniers bâtiments. Aïe, oh, il a pris la petite dernière boulette qui restait à la fin du gros nuage. Bon, je pense qu'il avait relâché son attention et qu'il regardait un peu la suite. Il lâche une bombe. Il a power maximum. Souvent, après une vie perdue, on est un petit peu en dehors du chemin et on a laissé des ennemis en vie un petit peu trop longtemps au deuxième loot. Ça veut dire en gros qu'il va falloir très certainement utiliser une bombe pour pouvoir survivre pour la suite. Pas le droit à une pause de 3 secondes qui correspond à sa mort pour avoir une chance de survivre dans ce qui suit. Fin de ce stage 5 avec les bombardiers. Il y a des missiles qui lancent des boulettes parce que ça ne suffisait pas assez. Il va encore les connecter avec les abeilles là. Pof, pof. Et oui, il arrive à connecter la chaîne. Oh. Hop, avec toutes les abeilles. Et nous voilà sur ce boss du stage 5. Avec un pattern encore plus balèze dans lequel on ne bouge toujours pas. Un tout petit peu on bouge en fait. Des fois on peut ne pas bouger, des fois il faut bouger un petit peu. Il faut quand même garder les yeux bien en face de en face des trous. Il s'est calé en haut, il suffit de suivre le boss avec des petits déplacements juste comme il faut parce qu'on peut quand même prendre ça correspond à des murs quoi, hein, les deux grosses épaules du boss. Mais c'est juste la plateforme qui balance les bombes là, elle est plus basse, donc on peut rester dessus, on verra. Ouais, c'est vraiment bien négocié encore. Hein. On attaque le dernier stage. Hein. Avec 4 vies en stack. 4 vies, 4 bombes. On commence la chaîne avec des gros ennemis détruits très très vite. Puis une ribambelle d'ennemis plus petits. Alors de tout type, voilà. C'est un ou deux petits hélicoptères à gauche à droite. Un aéroglisseur qui arrive par là, un aéroglisseur qui arrive par l'autre côté, il faut rentrer dans le couloir. On se retrouve en face de ce tank, alors je sais pas s'il va le laisser vivre encore là, parce qu'il arrive à faire des hits avec les machins bleus qui balancent ce truc là, ça fait des hits, alors il le laisse vivre ce tank là, même si ça remplit un peu l'écran pendant ce temps là, ça gêne pas VTN. Et là encore une fois il va se rester assis un petit peu là sur les hexagones là, les ruches d'abeilles, là il y a les tourelles qui sortent, il reste assis en face. Les ennemis type mid-boss avec leurs explosions roses. D'où violette. Et une ligne de tank, on passe au travers. Et là on arrive dans l'enfer où les tourelles sont partout et cette fois elles tirent deux tirs en même temps. Tout en tournant. Ah, comme là, dans le premier loup. Il y a des tanks, des vaisseaux, des tourelles. Les abeilles là qui vont pas tarder à nous envoyer des tirs. Un tir rapide. Voilà, oh, ceux-là. Les barrages sont deux fois plus larges. Il reste en haut en plus. Oh purée. Est-ce qu'il va encore essayer de rester au milieu là malgré le danger supplémentaire du deuxième loop, rester au milieu pour avoir les tourelles. Il reste au milieu. Il revient, il passe à gauche. Il faut aller détruire le. Non, il reste, il ne veut pas détruire le tank. Il revient. Et là il répète, ok c'est bon. Ça c'est de la chaîne. Vite aller se cacher en haut à gauche avant. En bas à gauche pardon avant que les aéroglisseurs arrivent. Il se décale lentement sur la gauche. Pour repasser au-dessus. Danger face aux tourelles. Oh là là, j'ai peur qu'il se fasse toucher là-dedans. Ah là là, il prend tous les risques. Hein. On aurait pu croire que comme il a un peu cassé son score avec sa mort au stage 3, au 4, il laisse tomber un peu le scoring, mais pas du tout. Hein. Là, il veut se rattraper. 773 déjà de chaîne. Là, c'est bon, là, il est bon, là, il va réussir à finir ça sans perdre de vie là.
et sans pomper apparemment. De gros ennemis, les deux derniers gros ennemis à détruire avant d'arriver sur le boss de fin. Et c'est bon, c'est passé. C'est passé, c'est bon. Superbe chaîne du 2-6. C'est très bon ça. 458 millions donc, 4 vies en stock, 5 bombes, un maximum bonus qui va plus servir maintenant. Il va falloir bien utiliser les bombes. Donc là, on va bien regarder comment ils utilisent ces bombes. Et c'est leur utilisation, c'est jauger le risque, les esquives et le risque et les bombes pour essayer de perdre une vie seulement quand on n'a plus de bombes, mais en même temps de ne pas utiliser les bombes trop souvent parce que sinon il n'y en a plus et on perdra une vie, on en aura moins en fait qu'on sera capable d'utiliser ensuite pour survivre face au troll à poste. Et là, alors là ce pattern là, en version deuxième loop, qui est passé, maintenant le barrage bleu là, un shotgun un petit peu bien dispersé, dans lequel WTN il passe à l'aise. On a l'impression que c'est pas du tout un problème. Alors là, celui-là, il y a une bombe là. C'est marrant, on dirait qu'il avait l'intention de pas bouger là. Je sais pas s'il a un safe spot. Il a un safe spot. Ah, il a rebombé. Non, il a un safe spot, mais il surveille en fait s'il y a un tir qui arrive sur sidebox, à ce moment-là, il bombe. Là, t'as un semi-safe spot. Ouais, on va dire. Un semi-safe spot, on dirait. Ok. Oh. Et là, où Et là, dernier pattern. Oh là là. Maintenant, il se resserre toutes les demi secondes celui-là maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Exactement, ça n'a aucun sens. C'est parfait pour les êtres humains, ça. Un rythme freiné. Rouge, la vie en rouge, il reste encore 5 secondes à survivre là-dedans. Il va pas utiliser de bombe? Non, pas de bombe. C'est bon, il survit jusqu'à la fin. Bon, bah maintenant qu'on a fini l'entrée, on attaque le programme principal, hein. Ah non, c'est le dessert, là. Un petit discours du boss final avant de pouvoir l'affronter. Voilà. Mais là, l'entrée, elle est plutôt triomphante, hein. Il y a eu vraiment un très beau stage 6. Et là, donc, il a détruit le boss du stage 6 en utilisant seulement 2 bombes, au moment où il était sur ce pattern avec un safe spot qui fonctionnait un petit peu. Donc très bien, et là, on est contre l'abeille. Une volée d'encouragement pour Ibachi, là. Il a bien besoin. 4 bombes pour finir ce boss dantesque, mythique. L'icône des dodons de Patchy, hein, Ibachi, cette abeille géante qui envoie tout ce qu'elle peut. Et en plus, il va le scorer. Hein. Là, ouais, il fait du cancel sur les ailes de Ibachi. Alors, il est bon quand même. Ce qu'il fait en fait, VTN, il est en train d'essayer de détruire les petites parties vertes chacune des petites parties vertes sur les ailes de l'abeille. Lorsqu'on les détruit, ça fait un cancel. Ça fait des points supplémentaires. Et lui, il s'arrête jamais de scorer. Même ici, même si ça fait durer le boss plus longtemps parce qu'il prendra moins de dommages, il utilise son shot par exemple. Là, il est sur son shot, il n'est pas au laser parce que ça endommage moins la partie principale du boss. Et maintenant, il va. Ah, là, il se remet au laser au milieu. Il a réussi à utiliser ce pattern. Alors ce pattern avec un harpon qui descend au milieu, il va falloir repasser à droite pour trouver la petite faille. Alors là, attention parce que maintenant il est devenu énervé. Là on repasse sur le premier pattern qui maintenant est doublé à partir d'une seule source. Il n'y a plus qu'une seule source de ce pattern en spirale, mais il est doublé. Il y en a deux en même temps et elles sont dans des sens opposés. Il faut arriver à passer au travers de ce maillage là. Donc c'est pour ça qu'il s'est éloigné un petit peu sur la gauche. Un quatrième cancel. Un truc un petit peu plus se passer en face et réussir à détruire toutes les parties des ailes de l'abeille avec des gros cancels pour finir maintenant avec une bombe et détruire cette première forme du boss d'Ibachi. Sans aucun problème, en utilisant les 3 bombes très très propres. Et c'est maintenant la deuxième et dernière forme de Ibachi. Alors là, elle va en envoyer de toutes les couleurs. Alors là, il va essayer de passer ce premier pattern sans utiliser le jaune. Là c'est parti, alors ça c'est un. Celui-là il est bordélique quoi. Alors il y en a trois différents de type de tir. Ils ont un peu des vitesses différentes, ils sont un petit peu étalés de façon différente. Celui-là il arrive de tous les côtés de l'écran. Il faut faire très attention quand on se rapproche des côtés de l'écran parce qu'on est très près des sources, des tirs, donc on reste un peu au centre si on peut survivre là-dedans. Alors là, celui-là il arrive à le faire sans utiliser bombes, mais non, il en prend un contre le côté de l'écran. C'est pas grave, il avait plus de bombes, maintenant il a 6 bombes en stock. Il faut pas qu'il meure avec des bombes en stock, ça c'est important. Il va falloir essayer de sauver ses vies pour finir le boss. Non. Encore à la fin le couloir de la mort, une bombe à utiliser.
le couloir se termine. Alors ça, c'est les couloirs. Des fois, il va changer de couloir ici. Et puis, il faut. Voilà, c'est des endroits. Mais on change de couloir. C'est en fonction des barrages. Voilà. Si on est barré, si la route est barrée, il faut vite essayer de changer de couloir. Mais des fois, il y a pas vraiment de place pour changer de couloir, en fait. C'est pour ça qu'il vient se passer en haut. Hop. Il a réussi à changer au dernier moment. On reprend le premier pattern, c'est une rotation de 4 patterns et on termine sur un pattern, le pattern le plus dur, l'ultime pattern, le pattern de fin. Aïe! Il perd une vie avec 3 bombes en stock. Le revoilà avec donc 2 vies maintenant en stock et c'est le dernier pattern. Alors là, celui-là s'interrompt plus maintenant. Maintenant, c'est continu. Les tirs là, des fois ils sont tout collés là, des fois ils sont tout près, tout serrés, des fois ils sont pas trop serrés, il y a un couloir, mais les couloirs ils sont irréguliers, hein. On a l'impression qu'il y a un couloir qui s'ouvre, mais finalement au bout il y a une impasse, alors il faut vite changer de couloir là. Alors là il est dans un couloir, hop, aïe. Et puis ils ont une forme bizarre en plus hein, ceux-là, donc c'est pas... On reprend, il y a encore, oh, il doit y avoir au moins 25 secondes de vie pour Ibachi là. Ah, c'est long, c'est très très long cette forme. Une bombe. Alors Ibachi est invincible pendant bon moment en plus. Donc bomber ça sert juste à survivre. Voilà. Est-ce qu'il va réussir? Il ne reste plus qu'une vie. Il reste 10 secondes. 3, 4 bombes en stock, une vie. Ah, ça passe, ça passe. Aïe, ça passe plus. Encore 5 secondes de vie pour le boss. Est-ce qu'il va réussir à finir ça sans utiliser le bombe peut-être? Ah, oh,